Hadani rijibiwa rangu na delegation kao ya ute ya benza ije armain siatu uno komor rijeri sahili yane nao hama badili ho fikra waonane na hii direction ya tu ya TIC. On va améliorer nos connaissances, nous avec nos élèves, nos collègues et là, la communauté. Donc, on va anticiper la communauté mirontienne, aussi la communauté de l'île d'Anjouan pour venir en masse connecter dans le monde. Donc, connecter, c'est déterminer le monde, c'est améliorer les connaissances et créer des emplois. En ma qualité de en tant que formateur, je suis là pour remercier de ce que vous avez fait, nous avoir offert tous ces ordinateurs qui vont nous permettre d'enseigner à nos jeunes. C'est un outil qui est vraiment efficace et à la fois utile vis-à-vis de nos jeunes parce que ça va leur ouvrir beaucoup plus d'horizons et leur aider à mieux avancer dans leurs études. Ce projet-là a été reçu par la communauté. Ils ont été très satisfaits parce qu'ils n'ont jamais eu de dons de ce genre. Et il a permis de former des personnes, des formateurs qui seront susceptibles de former les enseignants, les élèves et aussi les membres de la communauté. Cette formation a été bien passée. On a montré, on a formé comment nous allons apprendre aux étudiants, à la communauté tout entière, aux professeurs, un programme, notamment sur les trois grandes lignes, l'environnement de l'informatique, le bureautique et la navigation connexion Internet. J'espère aussi que le maximum de la communauté bénéficie de ce centre et surtout les filles pour qu'ils apprennent l'informatique, pour que tout le monde ait l'accès à l'Internet, ce qui facilitera l'apprentissage, la formation de nos enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué pour notre salle d'informatique parce que sans l'informatique, notre monde, c'est comme si on disait avant les analphabètes. Aujourd'hui, on peut se permettre que les jeunes Comoriens, nos enfants, les hommes et les femmes, ils auront cette possibilité, un projet qui entre dans le cadre des nouvelles technologies, à savoir l'Internet, auquel le monde aujourd'hui, les Comores ne veulent pas s'échapper, mais ils devraient être à la hauteur et s'aligner comme tous les pays, parce que le monde maintenant est devenu un village, une région. On ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir une économie émergente sans les nouvelles technologies.